Good morning, allez, Iden, les tu seras aujourd'hui le Nishmat Amram Yona Ben Chana Peggy Bat Esther Zabat Mazal Tov Shish Portish Simon Bat Leoni Michael Novikov et aussi le Fouat Norbert Avraham Ben Fortuné Mazal Betor Shar Kol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishta, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Makot, Perek Aleph, Mishnah Tet. Hayu Shnaim Roin Oto Mechalon Ze, Ushnaim Roin Oto Mechalon Ze, Ve'echad Matrebo Ba'emza. בזמן שמקצתן רואים אלו את אלו, הרי אלו עדות אחת. ואם לאו, הרי אלו שתי עדויות. לפיכך, אם נמצאת אחת מהן זוממת, הוא והן נהרגין. והשנייה פתורה, רבי יוסי אומר, לעולם אין נהרגין עד שיהיו פי שני עדים המטרין בו, שנאמר, על פי שניים עדים. דבר אחר, על פי שניים עדים, שלא תהיה סנהדרין שומעת, Mipi à Tourgeman. Mishnah, pas spécialement complexe, mais qu'on a besoin de rappeler et d'expliquer d'abord quelques introductions, et ensuite on pourra lire et traduire la Mishnah et comprendre d'un coup tout ce qu'il y a écrit. Peut-être que non, on va faire le contraire d'abord, on va juste expliquer la scène de la Mishnah en la traduisant tout de suite. On la reprendra ensuite une fois que ce sera expliqué. Ayushnaim Roin Oto Mechalonze. On parle qu'il y avait deux témoins d'une fenêtre qui regardaient une scène. Reuven, fâché contre Shimon, qui le menaçait de l'étrangler. Donc un groupe de deux témoins qui le regardaient d'une fenêtre. D'un autre côté, d'un autre immeuble, la même scène, deux autres témoins qui le regardaient. Les deux témoins ne se voyaient pas, les deux groupes de témoins ne se voyaient pas eux-mêmes. Mais quoi? Donc, Ayushnaim Roinoto Mechalonze, Ushnaim Roinoto Mechalonze, Ve'echad Matre Bobaemza. Et il y avait en bas, en plus de Reuven et Shimon, il y avait Lévi qui était là et leur disait « Reuven, arrête, tu vas pas le tuer, tu vas pas l'étrangler, arrête, c'est dangereux, tu risques d'être condamné au Bedin. » Et Reuven, lui, il a dit « Je m'en fous, je m'en ai trop marre, je veux quand même le tuer. » Il a reçu la trappe, il est parti, il a attrapé le cou de Shimon. Il a serré bien fort jusqu'à qu'il est devenu bleu, vert, violet et blanc. Alors, le problème de notre Mishnah maintenant est de savoir, à part la belle mise en scène, non, ça y est, le problème de la Mishnah est de savoir est-ce qu'on considère qu'il y a un seul groupe de témoins ou deux groupes de témoins. D'accord? La Mishnah nous enseigne Bisman shemiktsatan roin elu et elu, à partir du moment où certains du groupe 1 voient ceux du groupe 2, are elu edutachat, on considère qu'on a ici un seul groupe de témoins, ve'imlav, et sinon, si une personne ne se voyait pas les deux groupes, les deux voyaient d'une fenêtre, ouais, c'est fréquent, situation facile. Moi, je vois de ma fenêtre ici, il y a un autre voisin qui regarde là-bas, qui est sur le côté, exactement, on ne peut pas se voir, je suis un peu, et on voit la même scène tous les deux. Mais nous, on ne se voit pas entre nous. Alors, dans ce cas-là, la mise en scène, Arélo, Shte et Douyot. On a ici deux groupes de témoins, et on s'arrête là pour un petit peu expliquer de quoi on parle, que ça veut dire un groupe de témoins, qu'est-ce que ça veut dire deux groupes de témoins. Alors, on va rappeler déjà une notion qu'on apprend déjà depuis deux Mishnayot en arrière, et même la Mishnah précédente aussi. La notion du groupe de témoins, une kat, hein, kat c'est un groupe, une kat edim, un groupe de témoins, alors il y a des halachot particulières. Comme on avait appris, on peut même être 10 à témoigner en même temps. Mais si on est défini qu'on est un seul groupe uni, alors on a un statut spécial que dès qu'il y en aura un de ce groupe qui aura un problème, qui sera contesté, il remet en cause tout le groupe, que ce soit par une contradiction, que ce soit parce qu'il était Edzo même, que quelqu'un vient lui dire « Toi, tu peux pas témoigner, t'es avec nous ailleurs. » Il fait tomber tout le groupe. Pas pour être condamné, mais au moins pour que tout notre témoignage devienne invalide. Idem encore, si tout simplement il s'avérait que un qui était avec nous parmi les 10, c'était le frère de l'accusé, de la victime. Alors, à partir du moment où « Nimtza Echad Men Karov Pasoul » c'était la chaîne de la Mishnah d'avant, il y a un d'entre eux qui s'avère être un proche parent ou quelqu'un de Pasoul, un joueur de cartes, quelqu'un qui mange dans la rue dehors devant tout le monde, en pleine rue, c'est aussi quelque chose qui est invalide. Vous apprenez tout ça dans ma Sefer Sanhedrin, les Psoul et les Doutes, dans le Perek Shlishi, si je ne me trompe pas. Alors, dans ce cas-là, il fait tomber tout le groupe. D'accord? La problématique de notre Mishnah maintenant est de nous dire, sache que pas toujours je vais considérer qu'il y a un seul groupe. La Mishnah va nous enseigner les conditions requises pour qu'on va considérer qu'il y a en réalité deux groupes. Maintenant, là, c'est là où ça devient un petit peu délicat parce que ça touche avec Machloket, Rashi, Tosfot et Rambam, rapporté dans le Tosfot Yomtov de la Mishnah précédente. On l'a vaguement évoqué. Je préfère essayer de la contourner et je vais prendre un cas un petit peu extrême.
La Mishnah veut simplement nous dire de manière générale, si toutefois, au moment de la scène, les deux groupes de témoins ne se voient pas, ouais, d'accord, on va parler selon Rambam, au moment de la scène, les deux groupes de témoins ne se voient pas, alors on a ici, malgré nous, deux groupes de témoins. Selon Rambam, même s'ils viennent témoigner ensuite ensemble, on considérera que non, puisque vous ne voyez pas au moment de la scène, donc au moment de la scène, c'est là où on prend le statut d'être, c'est là où on commence à être des témoins. Et si à ce moment-là, on ne se voit pas, alors on ne peut pas être deux groupes de témoins. La Mishnah nous enseigne donc, s'il y a un groupe qui voit, un groupe qui voit la scène d'un angle, l'autre groupe qui voit la même scène d'un autre angle, les deux groupes ne se voient pas, d'accord, n'ont aucun échange entre eux, dans ce cas-là, ils forment deux groupes. Mais si toutefois, ils étaient un groupe de 10, on va prendre d'abord, avant d'en évoquer la Mishnah, c'est un groupe de 10 dans une fenêtre. Ouais, c'est une fenêtre très large. Et dans l'autre, ils étaient 5. Et le cinquième qui était tout à l'extrémité ici, ils réussissent à voir le dixième qui était à l'autre extrémité là-bas. Ils se sont même fait un petit coucou. Ouais, regarde là, qu'est-ce qui se passe en bas, comment il va le tuer. D'accord ? Alors à partir du moment où on a Miktsatan Roin, Elu et Elu, un petit peu d'entre eux voient un petit peu d'entre eux, soit un d'entre eux voit un d'entre eux, alors on considère que c'est pas la peine que les 5 se voient chacun les yeux dans les yeux chacun. Il suffit que moi je vois celui de gauche, il voit celui de le deuxième, et l'autre il voit le troisième, et chacun il voit l'un. Alors selon le même principe aussi, quand ils vont être comme ça, et eux ils réussissent à se faire un coucou, d'accord, les deux extrêmes, alors ces deux-là qui sont en train de se voir, ils vont réussir à regrouper en fait tous les témoins pour considérer qu'on a en fait un groupe qui forme 15 témoins. Entre parenthèses, si ça vous intéresse, et surtout qu'il y a la discussion ensuite entre le Rambam et Tosfot, est-ce que pour former un seul groupe, ils doivent venir nécessairement témoigner en même temps au Beit Din, ou bien si le simple fait d'être ensemble au moment où on a vu la scène fait que déjà on est malgré nous considéré comme un seul groupe de témoins, c'est toujours une petite discussion, je préfère la contourner. D'accord ? C'est clair ? Voilà pour les grandes données à connaître pour notre Mishnah. Maintenant, notre Mishnah, elle va prendre un cas encore un petit peu plus compliqué. On a déjà été habitué à rencontrer des Mishnahs pareils, où on va découvrir que celui qui s'occupe de faire la connexion entre les deux groupes de témoins, c'est celui qui est le matré, celui qui avertit. Et suite à ça, parce que la Mishnah elle a présenté le cas de cette manière, alors ça va laisser le tremplin pour Rabbi Yossi pour venir discuter sur un petit détail qui va justement se matrer. C'est quoi l'atra ? D'abord, on avait appris plusieurs fois déjà que lorsque l'on veut condamner quelqu'un à mort ou même à malkout, à la flagellation, parce qu'il a transgressé une avéra, il faut nécessairement l'avertir au moment de transgresser, et que l'accusé, celui qui transgresse, au moment de transgresser, il va dire « malgré tout, j'accomplis mon issour ». Il faut battre le fer à chaud complètement. On lui dit « c'est super grave ce que tu fais ». Il dit « je sais que c'est grave et je veux quand même le faire ». Seulement là, il sera condamné par la mitat bet din. On le condamnera au bet din ou bien on le donnera à la flagellation. Autrement, on ne le condamnera pas. On a d'autres solutions. C'est plus notre problème d'en reparler. On a déjà évoqué le principe de la kippa, d'enfermer quelqu'un et le laisser crever de faim. On a aussi un akat mardout, on donne aussi des coups, mais qui ne sont plus la mitzvah imposée par la Torah. On en reparlera dans la prochaine Mishnah encore de nouveau. D'accord ? Pour ça, il faut nécessairement quelqu'un qui lui fasse la hatra'a, l'avertissement. Le matré, c'est celui qui avertit. Les hatrot, matré, hatra. D'accord ? Et la Mishnah vient nous enseigne que sache que si de notre fenêtre, nous on voit la scène, de l'autre fenêtre aussi, il voit la scène, mais nous on ne se voit pas. Mais on réussit à voir en bas une personne qui est le matré, qui avertit, c'était le fameux Lévi dans la scène initiale que je vous avais dit, qui avertit Reuven de ne pas tuer. Et les deux groupes réussissent à le voir, alors il s'avère que ceux qui sont en haut avec celui qui est en bas, ils forment un seul groupe puisque eux le voient. Et ceux qui sont à l'autre fenêtre aussi forment avec lui un groupe puisqu'ils le voient. Et bien lui, il fait la jonction, la connexion entre les deux groupes de témoins pour considérer qu'on est tous un seul groupe de témoins. Voilà la Mishnah telle qu'elle a présenté le cas. On le refait dans les mots. Il y avait un groupe de deux témoins qui le voyaient d'une fenêtre. Et deux autres témoins qui voyaient la scène d'une autre fenêtre. Et il y avait en plus de ça, quelqu'un qui était en bas et qui faisait la hatra'a, qui était en train de l'avertir. Et donc, à partir du moment où certains d'entre eux, quelques-uns de l'un d'un groupe, voient quelques-uns de l'autre, même un d'un groupe qui voit l'autre, un autre d'un autre groupe, alors on considère Aré Elu Edutachat. Ils ne forment plus qu'un seul groupe. Soit il y a en réalité deux groupes de trois, la même personne qui joue dans les deux groupes, et bien lui, ouais, celui qui est averti en bas, il appartient à ce groupe, donc il lui fait la jonction. Veimlav, et si par contre il ne se voit pas, soit on voit la scène,
Et on entend qu'en fait, celui qui est en train de crier, il est sous le balcon en dessous. Nous, on n'essaye pas de le voir, mais il leur dit non, ne tue pas, Dieu a donné. Ouais. Donc il le fait la tra. Mais donc les deux groupes ne se voient pas et ils ont entendu eux-mêmes la tra, bien évidemment. Mais ils n'ont pas été reliés par un intermédiaire, un témoin visuel, oculaire. Il n'y a pas eu de témoin oculaire qui les voyait à un certain d'entre eux, d'accord, on s'est compris. Mais à Réélo, dans ce cas-là, on a ici deux groupes de témoins. Et alors, quelle est l'importance d'avoir deux groupes de témoins? Alors, c'est là où ça va se jouer que, je vous le dis d'abord à l'oral, puis après on va voir le cas particulier que la Mishnah a évoqué, qui est aussi un peu, d'accord, la Mishnah a bien parlé compliqué, comme ça, avec peu de mots, on inclut plein de choses. Mais après, pour donner un cours de Mishnah dans une Mishnah pareille, il faut, avec peu de mots, dire aussi plein de choses. Alors, l'efficacité de cette achat meinzom emet. Non, d'abord je dis à l'oral. Donc, l'avantage, il est quoi? L'avantage ou l'inconvénient, il est de savoir si on forme deux groupes de témoins, s'il y en a un qui devient invalide parce que c'est un proche parent, par exemple, et bien le deuxième groupe de témoins, il reste encore sur pied, il peut continuer à témoigner. Tandis que si on forme un seul groupe, s'il y en a un qui se fait invalider, un des témoins de l'autre groupe qui se fait invalider, et bien dans ce cas-là, on se voit tous invalidés puisqu'on forme une seule entité. Selon le même principe. La Mishnah maintenant va parler du cas où il y avait les deux groupes de témoins qui témoignaient, ils formaient deux groupes, et il y a eu des témoins des Edzomem, un troisième groupe de témoins qui est venu, et qui a dit comment vous deux, ou même, hein, ouais, comment vous deux, vous pouvez témoigner, puisque vous n'étiez pas à la fenêtre ce jour-là, Imanu Item Bim Komploni, vous étiez avec nous de l'autre côté de la ville, à telle date, telle heure, et de ce fait, vous ne pouvez pas témoigner, et bien la Mishnah nous enseigne, ben, qu'est-ce qu'on fera dans un cas pareil? Eh bien, on tuera le condamné par le témoignage de ceux qui étaient, qui n'ont pas été contrés. Et on tuera aussi les Edim Zomemin, ces faux témoins qui affirment avoir été là, alors que finalement, ils ont été contredits par d'autres témoins qui sont venus leur dire « Vous étiez avec nous dans un autre endroit. » Eh bien, on tuera l'accusé et on tuera ces deux témoins-là. On tuera l'accusé par le témoignage des deux qui étaient effectivement à la fenêtre, et on tuera aussi les autres, parce qu'ils sont quand même venus condamner quelqu'un qui n'était pas encore condamné à mort. Donc, de ce fait... Voici tableau cachère Zaman la Sakharil, vous avez prémédité de le tuer. Selon votre témoignage, c'est un témoignage à faux, vous serez tué, même s'il s'avère qu'en réalité c'était vrai. D'accord? C'est ce que la Mishnah nous enseigne, le Fikar, Ibnim Tsetachat Menzomemet. Pour de ce fait, si un des groupes de témoins, quand ils forment deux groupes distincts, alors un des groupes de témoins, Imtset Achat Menzomemet, s'avère avoir été des faux témoins de Edzomem, où on leur a dit. Vous étiez avec nous dans un endroit. Alors, who, l'accusé, Vehen, ces deux faux témoins, Neheragin, ils sont tués. Vehashnia, Ptura, et l'autre groupe de témoins, il sera dispensé, de, il ne sera pas condamné à mort, bien évidemment, parce que c'est lui qui accuse. Il y a de quoi rallonger sur ce mot bizarre, parce qu'on a dit Vehashnia, elle n'est pas Ptura. Quand je dis qu'elle est Ptura, c'est-à-dire qu'elle est dispensée, dispensée de condamnation à mort. Il n'a jamais été question de les condamner à mort. Il y a une problématique, ça rallonge dessus, mais ça, je ne développe pas le sujet. D'accord? C'est clair, on s'est compris. Baruch HaShem. Il s'avère maintenant de ce fait. Non, je préfère d'abord qu'on fasse quelque chose, c'est qu'on complète le Bartanura, comme ça, ça nous éviterait de revenir encore sur tout. Parce qu'après, on va parler d'un autre sujet. Echad Matre Bovem, ça. Un, une personne qui avertissait au milieu. Hamatre mitztaref imakat shel edim shehu roe otam. Celui qui avertit s'associe, mitztaref, il s'associe avec le groupe de témoins qu'il voit d'ici, de la fenêtre qui est là. À ça, derrière lui, et aussi Vehemro et Moto, Bishatatra, et eux-mêmes le voient aussi, c'est mutuel. Même sur ça, c'est discuté, est-ce que ça doit être mutuel, ou ça suffit que moi je vois, mais lui ne me voit pas, c'est normal, parce que lui est tourné de l'autre côté. D'accord, les Tikar. De ce fait, Imayushta Kitot, Bishter Halonot, s'il y avait les deux groupes de témoins aux deux fenêtres, Roinoto, eux ils voyaient cet intermédiaire-là, Mestafin, Elo, Elo, ils s'associent pour former un seul groupe. Ceux-ci avec ceux-là. Vehem kulam edutachat, et donc ils forment ensemble. Deux témoins. Hu vehem neheragin, lui et eux seront tués. Hu neherag, l'accusé sera, lui, l'accusé sera tué. Pourquoi? Da katei katachat shelouzma, puisqu'il y a ici un groupe de témoins qui reste sur pied, qui n'a pas été contredit, lui. Puisqu'il y avait deux groupes de témoins. Un s'est fait éjecter, mais l'autre il est resté sur place. Vehem, et les autres. Les autres faux témoins qui ont, sont venus eux aussi témoigner, que finalement ils se sont fait contredire et prouver qu'ils avaient témoigné à faux. Vehem, Anizamin, Neheragin, Shareuzmu. Et ceux-là seront situés, puisqu'ils ont été. On leur appliquera le dîme de Azara. Ok? Maintenant, dans notre cas,
dans cette halakha particulière, le Tana a évoqué, a présenté son cas avec l'histoire du matré, de celui qui avertit, qui était au milieu et qui faisait la jonction entre les deux groupes de témoins. D'accord ? De ce fait, on déduit un petit détail, que selon Tanakama, ce n'est pas la peine que chaque témoin avertisse, il suffit qu'il y ait une personne qui avertisse. Même qui, la Gemara précise, même, c'est même pas la peine que ce soit un témoin, il suffit juste d'avoir entendu, la Gemara dit même, Mipi Ached, il y avait un démon, même un goy, même quelqu'un qui n'était pas un enfant même. Non, un enfant, je ne sais pas, peut-être, il ne faut pas que je m'engage. En tout cas, il suffit qu'il ait été averti uniquement pour que les témoins puissent venir témoigner et dire, lui, il est passible de mort, il est condamné à mort parce qu'il a été averti et il a quand même transgressé. Même si les témoins n'ont pas averti. Ça, c'était entre parenthèses, on le déduit de Tanakama. Et bien, Rabbi Yossi vient sur ça et il discute, il conteste. Rabbi Yossi, Omer, Rabbi Yossi dit, « Le'olam en heragin acheyu pi shnei eidav matrinbo. » Le'olam a jamais... La règle n'est pas comme ça. « En heragin » On ne tuera quelqu'un « ad sheyu pi shnei eidav » jusqu'à que la bouche des deux témoins « matrinbo » l'avertisse. « Shenema » comme dit le verset « al pi shnei medim » comme dit le pasuk « sur la bouche » sur le témoignage, mais sur la bouche, le fait que les deux témoins parlent, on ne parle pas uniquement de venir parler au Beth Din, bien évidemment, mais on parle même au moment de l'action, que c'est ces deux témoins qui viennent pour condamner à mort, ce sont eux qui se sont souciés d'avertir l'accusé, et qu'il a malgré tout transgressé. Dabar Acher, autre interprétation du même verset, selon Rabbi Yossi toujours, Al-Pi Shnai Medim, sur le témoignage de deux témoins, cette façon on ne va plus parler au moment de l'action, mais on va parler au moment du témoignage des témoins, que les témoins doivent parler au Beth Din, soit Shelote Sanhedrin Shomat Mipi Atur Geman, que le Sanhedrin, le tribunal, n'entende pas les témoins par l'intermédiaire d'un traducteur. Tur Geman, c'est un traducteur, comme on appelle le Targum Unkelos. Unkelos, ouais, dans le Chumash, il y a Unkelos, on lit la Shnemikrecha Targum. Le Targum, la chante Turgeman, les Targem, traduire. Donc, ne pas que le Sanhedrin n'entende pas au nom de la bouche d'un traducteur, d'un interprète. Ils doivent nécessairement comprendre, les membres du Sanhedrin parlaient les 70 langues. Ils savaient parler toutes les langues. Ils savaient comprendre toutes les langues. C'est pas la peine de parler toutes les langues. Parce que pour ensuite répondre aux témoins, ils peuvent utiliser un traducteur. Mais ça suffit qu'entendre. Moi, j'entends l'anglais, je comprends. Ensuite, je sais pas, je parle l'anglais comme Yasser Arafat. Donc, vaut mieux pas que je parle et j'ai un interprète, là, c'est permis. Mais en tout cas, quand j'entends de lui, du témoin, je dois entendre de mes propres oreilles, ne pas avoir un intermédiaire. Ça, c'est déduit du pasouk Alpi Shnaim Edim. Sur la bouche, le témoignage de deux témoins et quelques petites explications, raisons qui sont évoquées, notamment qu'il n'y ait pas d'éléments qui soient un peu faussés, manqués. Il y a aussi de mieux pouvoir enquêter, questionner, interroger, d'accord, si j'ai un rapport direct. Et voilà. On fait à présent le Barthénois, le dernier petit Barthénois de la Mishnah, Shelote Sanhedrin Shomat Mipi Aturgeman, que le Sanhedrin, le tribunal, n'entende pas de la bouche d'un traducteur, Shitzrin Shiyu Adayanim Makirin Belshonaidim. Il faut que les juges connaissent la langue des témoins. Veloister Hule Amid Melitz Benotam, qu'il n'ait pas besoin de mettre un interprète entre eux, v'chen halacha, et ainsi est établi la halacha sur ce dernier détail de ne pas entendre de la bouche d'un traducteur, tandis que sur la halacha, la discussion entre Rabbi Yossi et Tanakama à propos de combien de personnes doivent avertir, il suffit que ce soit même une tierce personne qui interprète, comme ça, c'est la halacha. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'halacha, kol tov, selah.